Salut tout le monde, c'est Aziz. Donc, tu reviens, fais une petite vidéo, j'espère. Alors, traditionnellement, le lundi, on fait ensemble le point sur mes lectures passées, ma lecture en cours et ma lecture à venir. Donc là, en fait, il s'avère que c'est les mêmes livres que la semaine dernière. Et je pense que c'est les trois qui ça rentre dans, ils rentrent dans les trois catégories. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais laissé, j'étais dans un plan du style, je lis une grosse brique, hein, voilà, qui est Gone 2, le tome 2, donc de Michael Grant, chez Pocket Jeunesse, donc qui est difficile à transporter, donc. Je le fais le matin, le soir, et puis en journée, quand j'ai un temps de bouquiner, j'emmène Chasseuse de vampires, le tome 1, Le sang des anges, Nalini Singh. Il était chez, voilà, Dark Light. Donc j'étais avec un plan comme ça. Un gros livre en fil rouge, et puis un poche qui est assez conséquent, mais voilà, qui se balade, pour activer le système. Et en fait, ben... Perdu! Je suis encore avec nous! Je sais pas ce qui s'est trop passé. Il y a un gros cafouillage en fait dans le planning, là où ça devait avancer plus vite. En fait, je suis en panne. Et complètement en panne, la fille, elle a plus envie, elle a plus le temps, enfin, un peu les deux, elle est très très préoccupée. Enfin, très très, non, n'exagérons rien, bien sûr, mais bon. Elle a la tête un peu prise ailleurs. Et du coup en fait je pense que donc je voilà, c'était ma manière de vous dire que je suis en fait en panne de lecture, c'est-à-dire que j'ai pas le temps, que quand je m'y mets un peu ben j'avance pas du tout, que du coup j'ai pas forcément envie, et donc voilà, la machine est un petit peu enrayée, donc du coup ben voilà, je fais autre chose. Désolée. Et puis, bah, quand ça reviendra, vous serez les premiers à en être au courant. J'en suis vraiment navrée parce que même moi, j'étais bien partie dans mon Summer Pal Challenge et là, j'avoue que ça met un gros coup de frein au désengage de Pal. Donc, je pense avec un peu de relecture, un peu de, non, un peu de relecture, non, un peu de recul, comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est là que j'avais commencer ce truc-là, il y a déjà pas mal de temps que j'ai laissé une fois en pause, deux fois en pause, que c'est vraiment une lecture challenge, c'est pas quelque chose qui m'emballe, j'ai pas envie foncièrement de le lire. Voilà, une fois que je suis dedans, je me dis oui, c'est pas nul, c'est pas titanesque non plus, mais enfin voilà, j'ai pas une motivation spéciale à le lire, il me fait pas spécialement envie, contrairement à celui-là par exemple. Et mais bon, voilà, faut le lire, faut qu'il sorte de ma palle. Je crois que c'est mon premier vraiment livre, c'est le pilier de ma palle. Je crois que c'est ce qui sur lui que reposent tous les autres. Et qu'à partir de ce livre-là, j'ai commencé à stocker, en gros. Et puis une lecture challenge qui passe pas vraiment et une lecture challenge qui s'est retrouvée un peu mal programmée. C'est-à-dire que entre mon départ en vacances où j'ai pas eu, enfin voilà, envie de me balader un truc comme ça. Voilà, la semaine où je suis revenue, en fait, j'ai pas eu beaucoup de temps, c'est-à-dire que j'ai été très occupée à l'extérieur, ailleurs, à faire autre chose, à voir d'autres gens, à avoir une vie sociale, en fait, un peu. Et puis, bah, après, j'ai repris le travail. Et là, voilà, quoi. Donc, du coup, donc là, voilà, version second degré, hein, je préviens. En fait, tous les personnages m'énervent. En ce moment, j'avance, je lis quelques pages et j'ai tous envie de leur foutre un coup de pied au derrière, monstrueux, parce qu'ils m'agacent, ils sont un peu tous en train de, enfin, sauf quelques-uns, de rechigner, de chouiner sur eux-mêmes. Donc oui, donc c'est des enfants, c'est des mômes, ils sont sans parents, donc voilà. Mais bon, et puis la version sociologie, anthropologie, enfin, essai d'analyse de fonctionnement des sociétés infantiles, voilà, ça marche pas très bien, surtout quand on a déjà lu Bernard Werber, du coup, enfin voilà, j'ai un peu de mal à, voilà, le style pour moi n'est pas bon là-dessus. Donc voilà. Et à côté de ça, je picore quelques pages de temps en temps de ce truc-là, qui est purement excellent.
Mais je n'arrive toujours pas à avancer. Il se trouve que voilà, j'ai été prise par autre chose, je suis plus fatiguée, je lis moins, je commence à avoir la tête prise ailleurs. Je vous en parlerai peut-être dans quelques semaines quand ça se confirmera. Mais du coup, ça passe pas. Ça passe pas. Donc du coup, je suis. Voilà, j'ai lu un tiers, j'ai lu 50-60 pages de ce truc-là, mais ça n'avance point du tout, c'est pas du tout d'habitude. Voilà, donc une grosse perte de régime, mais en même temps, voilà, qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là? On va en profiter pour attraper toutes ces chroniques, parce que voilà, je sais pas si vous êtes passé sur le blog, mais c'est assez désert, je l'ai vraiment délaissé ces derniers temps. Je n'ai pas pris soin, je l'ai pas du tout mis à jour. J'ai des chroniques qui datent de fin juillet que j'ai toujours pas publiées. Si elles sont en brouillon, elles sont quelque part, elles sont là, mais bon, voilà quoi. Donc du coup, on se dit, ouais, j'avance pas dans mes lectures, donc je vais rattraper mon retard de chronique. Un plan stratégique, certes, opportun, mais c'est pas pour autant qu'il aboutit. Donc voilà, on va essayer de corriger un petit peu tout ça. Et puis, on verra. Voilà. Donc du coup, je vous fais un petit billet d'humeur. Alors, je sais pas chez vous, mais chez moi, il pleut, il a plu toute la journée, un temps de merde, mais de merde monstrueuse. Je vis dans le Grand Ouest, je vis au Pays de la Loire. Il a plu, mes garçons, il a plu. On a eu le droit à de l'orage et des éclairs. J'ai bien cru que mon PC allait exploser et me faire un feu d'artifice pendant l'entretien. Le truc qui est chiant quand il pleut, c'est que tout d'un coup, on a envie de hop, paf, on met des jeans. On remet des petits pantalons et tout ça. Et donc, moi, j'ai bien calculé mon truc. J'ai pris un jean qui a la bonne idée de traîner un peu par terre. Et là, je pense que j'ai ramené j'ai de l'eau. J'ai 1 kg d'eau dans le bas de mon pantalon de jean qui me touche la peau parce que bien sûr, quand même, c'est encore l'été et j'ai pas mis de chaussettes et je me les pèle. Donc j'ai envie de me faire un plan hiver avec un plaid et des chaussettes et c'est vraiment pas cool. Voilà, ça c'était mon humeur météo du jour. Donc autrement ouais, ça va bien hein. Je suis plutôt en forme mais je suis d'humeur coup de gueule. Ça arrive. Voilà. Bon, on va pas y passer la journée, autrement je vous égrène. Allez. Ciao, à bientôt.